Attention, les stations fréquences pour Dundee 33, 14 km 33 01, opérateur Rémi qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Attention, attention Rémi, pour l'opérateur Doudou. Les 73 Doudou, je suis très content de t'entendre. Ben, tu me fais un Santiago de 1-2 et puis une bonne radio 4 hein, quand même. Hein. Là, ça passe bien, mais faut dire que la propague, elle est là aussi. Hein. Ah, je suis content, il y a encore pas mal de monde là, sur le canal d'appel, 555. Hein, et je me suis dit, allez, je vais passer vite fait sur le 27 là, s'il y a du monde. Et puis, ben, j'appose à rien, et au moment où tu as parlé, j'allais lancer un appel pour les QSO. Voilà, retour à mon petit ami. Ok, ben c'est bien sympa de ta part. Oui, effectivement, là, juste avant, là, j'étais me balader un petit peu, là, à droite, à gauche, là, un peu partout, en AM, en PLU, et effectivement, il y a du monde partout, hein, depuis semaine. Là, en ce moment, c'est sur toute la journée que ça tient. Hein. Et dès de bonne heure le matin, c'est vrai que je vois hier matin, par exemple, à partir des 7h par là, la propague commence à arriver. Ce matin, je crois que c'était vers les 8h par là, dans ces eaux-là. Et elle tient sur toute la journée. Hein. Bon, elle n'est pas toujours dans le même sens. Un coup, on va entendre l'Angleterre, l'Allemagne. Après, ça va être l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ça tourne un peu dans tous les sens. Mais c'est que du bonheur. Hein. Ah, bah, affirmatif, hein, pas mal de divisions. Il y avait encore la Sicile qui passait. Il y a encore 5-10 minutes. Hein. Et j'en parlais qu'il a fait Tony là, sur Orléans. Hein. Mais bon, j'en parlais pas Tony, moi. Ok, ça marche. Alors, attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Ah oui, pendant que j'y pense, c'est des 2351, les stations qui sont sur le web SDR actuellement là. Attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27. Je te reprends, Henri, je te reprends de suite. Ouais, il n'y a pas de problème. Là, je lance quelques appels pour montrer qu'il y a quand même quelqu'un qui est là. Tiens, pendant que tu es occupé, je vais balancer les news. Ça va m'occuper pendant ce temps-là. Ah, chie trois coups. Bon alors, les stations qui sont du côté là, du web SDR, hein, puis en stand-by derrière. Alors, ce week-end, vous avez une bourse d'échange radio, voilà, qui se trouve à Montargis, département 45. Donc c'est samedi 25, de 9h à 13h, directement rue Duchesne-Rabier, à Montargis. Qu'est-ce que c'est en Italie? Alors Florence Radio Fest. Alors c'est écrit en italien, je vous dirai pas grand-chose. Et c'est le 25 également. Ouais, ça doit être un salon à Chi. Là qui les infos là sont sur le forum. Le 9 juin 2019. FCBA 33 qui font leur activation annuelle là sur la butte de Launay, la patrimoine de Libourne, avec le club radioamateur FC Skyly. Alors il y a aussi il y a plusieurs activations bien entendu, et parmi ces activations il y a l'activation de 13 Romeo Foxtrot India, barre de fraction Bravo Foxtrot. Alors, qui se fait sur les ondes, H3P.
Et c'est confirmé, le salon du REF 17 à la Rennes se fera comme tous les ans. Donc ça c'est pour le samedi 27 juillet. Alors les inscriptions ont déjà commencé. Hein. Donc là, apparemment, là, ça promet d'y avoir du monde. Parce que bon, les places sont de plus en plus chères. Au point que pour les associations, par exemple, on est réduit à une longueur de table de 3 mètres. Donc c'est pour dire que là, il y a du monde. J'ai fait un peu le tour. Du côté du forum, bon, il y a dû y avoir un réaménagement complet là, des rubriques. Rubrique bidouille, bidouille HF, bidouille VHF, VHF. Car là, dernièrement, on m'a donné un DVD avec 4 gigas de bidouille dessus. Donc bon, ben, faut bien rentrer tout ça dedans. Alors là, il y en a pour tout le monde, hein, que ce soit en accessoires divers, en antennes, tout. Même en VHF, UHF, là au niveau antenne, tout ça, il y a pas mal de trucs. Hein. Là, on est en train de faire le plein du forum. Hein. D'ailleurs, c'est pas compliqué, en montage bidouille et tuto, accessoires et divers, côté HF, on va dire, il y a déjà 120 sujets. En montage bidouille et tout, là au niveau antenne, il y a 153 sujets. Côté poste, il y a 45 sujets. Et côté VHF, UHF, PMR, il y a quand même 41 sujets. Donc là, il y a de quoi occuper tout le monde là, pour tout l'été, à Chitroacou. Et j'en ai encore beaucoup à mettre sur le forum. Donc le forum, bon, c'est la planète civile francophone, voilà, dans laquelle vous trouverez tout ça dessus. Quoi dire de plus? Ben rien, c'est déjà pas mal pour ce soir. Attention, oh là, là je vois, là ça s'est monté d'un coup, là, sur le SDR. Attention, W33 ou Philippe, est-ce que vous êtes en fréquence ou... ah bah c'est eux, je les appelle. Stéphane, est-ce que tu es là? Oui, Rémi, je suis là, il n'y a pas de problème. Opérateur Stéphane, 14 Papa Alpha Tango 397 et aussi 14 Foxtrot Uniforme 18. J'habite ici, Rémi. Ok, les bonnes 73, comment vas-tu? Ça va, tranquille, on va boire le café, on a sorti les chiens parce que c'était l'heure de sortir les chiens, avant d'aller se coucher, malheureusement, parce que le boulot est là. C'est bien sûr de la radio, mais il faut les bosser, à chier, c'est con, mais bon, très content de t'entendre, les bons chiffres. Ok, merci, tout ça retourné. Ben, tu vois, moi, là, j'attaque demain matin. Hier, je te disais, je savais pas trop si demain soir je pourrais y être. Ben, tout qu'on fait, ben, vu l'heure à laquelle je vais débaucher, c'est-à-dire là-bas, pas tout près, c'est à 20h, le temps de rentrer, le gastro, machin, patin, couffin, là, le QSO, c'est mort pour moi. Hein. Donc là, c'est sûr, demain soir, je pourrais pas être là. Surtout que je suis vu l'heure à laquelle je vais arriver, ouais, je suis en plein gastro. Ah, là, c'est sûr, tu pourras penser à moi sur ce que je vais manger. Hachi. Ah, ça n'est bon, c'est quoi, c'est bon? Attends, hey, si je dis que la bouffe à la maison est dégueulasse, t'as pas l'impression que je vais me prendre des coups de marteau sur la tête? Non, c'est toujours bon ce qu'il y a à la maison. Ah, bah, je critique pas, je sais pas, hein, je peux pas dire. Moi, je sais que je fais la cuisine. Hein. Mon Y15 fait la cuisine aussi, moi, je... Plus souvent moi que elle, c'est pas que je veux pas ou qu'elle veut pas, mais bon, c'est comme ça.
Moi j'aime bien faire la cuisine, hein. Voilà, j'avais mon père qui était dans la partie pas cuistot de métier, mais bon, il m'a appris la bonne bouffe, hein, comme tout, hein, ou les grands-pères, les grands-mères, hein, c'est l'autre côté. Hein. Mais moi j'aime bien cuisiner aussi, voilà. Ok, moi aussi j'aime faire la cuisine. J'attrape un bolino, je mets de l'eau chaude dedans, j'attends un petit quart d'heure et puis voilà, c'est prêt. Hachi trois coups. Alors, oui, tu peux faire ça comme ça, oui, on peut. Des fois, quand on a la flemme, on fait moi c'est pareil. Mais je sais pas, quand t'as un minimum, Bah, honnêtement, la cuisine, ça n'a jamais été mon truc. De tout temps, jamais, j'ai jamais aimé ça. Hein. Enfin, la faire, hein, je veux dire. Ah ouais, j'avais compris, ouais. Non, mais je sais pas, moi j'ai mon père qui était dans. Bah, moi, j'ai travaillé, parce qu'à l'époque, j'avais. Ouais, 12, 13 ans, je me rappelle plus, ma mère m'a dit ça. J'étais voir ma mère le week-end dernier, on en a parlé encore, un petit peu, je me rappelais plus, d'ailleurs. J'ai tout oublié. Et quand t'es né dans l'alimentaire, bah, c'est pas que t'es né dans l'alimentaire, c'est que t'es né avec tes parents qui étaient dans l'alimentaire, obligatoirement, t'es pas un peu obligé, mais c'est comme ça, comment expliquer ça, c'est pas évident à expliquer. C'est pas que t'as envie de le faire, mais t'es né là-dedans, donc c'est ton truc, quoi. C'est après chacun voit ce qu'il fait, hein. c'est pas évident. Moi j'aime bien mes jurés, voilà, j'aime bien les pâtes aussi, hein. Je me fais des pâtes au beurre, les feuilles jurés, ça me suffit largement. Et les jours dans du boulot, j'ai dit tiens, j'ai envie de pâtes. Voilà, je mange des pâtes, gruyère, beurre, machin, tout pas ça. Et des fois, c'est des trucs améliorés, hein. C'est pareil, hein. Voilà, entre au micro. Ok, d'accord. Là, ouais, bah, t'as baigné dedans, quoi, c'est ce que tu voulais dire, quoi. Depuis tout gamin, t'as baigné dedans, donc forcément, ça. C'est naturel, quoi, en fin de compte, là, pour toi, quoi. Ouais, c'est forcément, t'as jamais pu trouver les mots, quoi. Tiens, par contre, là, dimanche. Ah, bah oui, dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu, là? Un rôti farci. Plus d'autres trucs et ainsi de suite. Ouais, de quoi mettre l'eau à la bouche, oui. J'ai quelqu'un qui m'a parlé de toi le week-end dernier. J'ai été voir mon beau-père qui fait de la radio depuis. Gérard, s'il a l'écoute sur le WebSDR, peut-être qu'il y sera, je ne sais pas. Il m'a parlé de toi, comme quoi il s'était un petit peu pris de bec avec toi, gentiment, poliment, sans être grossier, et puis toi non plus d'ailleurs, lui non plus. Pour 27, comme quoi c'est un canal d'appel, petit quanti, voilà, ouais, je suis d'accord, c'est pas visible, bon bref. Mais c'est un amour de la cuisine, et il m'a fait connaître le rôti à la broche. C'est tout con, hein. C'est comme un poulet, hein, tu mets le rôti à la broche. C'est pas con comme truc. J'ai testé, c'est très bon, voilà. Mais bon, il ne tombe pas, loin de là. Il m'a raconté, il m'a dit, ouais, j'ai discuté avec Dundee, je sais pas si c'est sur un forum ou si c'est sur. Par rapport à l'email. Comme quoi le canal 27 c'est un canal d'appel, oui c'est vrai, depuis des années que c'est un canal d'appel, le 19 aussi, mais ça fait venir du monde, moi ouais, je vois ça comme ça. Je suis un peu d'accord avec toi, je sais pas si de quoi il en est de son côté, j'ai peu eu le temps d'en parler avec lui parce que le week-end était un peu court, entre le samedi midi que je suis arrivé et le dimanche soir où je suis reparti, le dimanche après-midi où je suis reparti, tu vois ce que je veux dire, je pense que tu connais peut-être l'OM, voilà, retour. Alors, lui en particulier, je me souviens pas exactement de ce message, parce que j'en ai eu plusieurs, hein, des messages comme ça. Mais bon, aujourd'hui, si on regarde bien, l'ONSFM n'est plus considéré comme un canal d'appel, mais plus comme un canal de dégagement. Le canal 9, si tu vas dessus, bah, tu vas aussi trouver des QSO. Le canal 27, alors à l'époque, il avait été mis comme canal d'appel pour servir de délestage au canal 19 qui était vraiment trop encombré. Donc les associations de routiers de l'époque et tout ont contacté les associations civistes pour faire le nécessaire, pour trouver une solution parce que c'était vraiment trop saturé. Et c'est comme ça que le canal 27 est devenu le canal d'appel de dégagement du canal 19. Canal d'appel, certes, mais seulement de dégagement du canal 19. D'ailleurs, si tu regardes bien au niveau de la M, le seul vrai canal d'appel qu'il y a mondial, c'est le canal 19, en fin de compte. Hein.
C'est même si je reconnais que le canal 27 est aussi un canal d'appel, mais qui était à l'initiative des associations de l'époque pour délester le 19, voilà, tout simplement. Donc en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que les stations qui prêchent pour qu'on fasse QSY et tout, enfin qui prêchent, qui souhaitent, qu'est-ce que je dis moi, qu'on fasse à tout prix QSY et tout là du canal 27, mais qui se rassurent, le jour où le canal 27 redeviendra un vrai canal d'appel, parce qu'il y aura trop de monde en fréquence, mais c'est sans problème. C'est sans problème qu'on fera QSY. Voilà, c'est, y a aucun lézard là-dessus. Hein. Là, on l'occupe, on montre qu'il y a du monde là-dessus. En plus, c'est certainement pas toute la journée, c'est deux soirs et une matinée. Et voilà, il y a encore un créneau horaire bien précis, hein, pas avant 21h le vendredi soir, samedi soir, et pas avant 10h le dimanche matin. Après, les autres stations, ils font comme ils veulent. Hein. Mais bon, déjà, à la base, c'est comme ça que ça a été vu. Il n'y a rien d'officiel là-dedans, c'est pour se faire plaisir, tout en étant sur les 40 canaux légaux. Voilà, tout simplement, quoi. Voilà, ok. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ce que je pense aussi, voilà. C'est mon point de vue aussi, hein. Je dis pas ça pour faire plaisir ou faire plaisir aux gens qui écoutent, parce qu'il y a des gens qui écoutent aussi derrière, qui vont se faire une polémique. Ouais, mais Stéphane, il dit exactement comme Rémi. Non, je dis pas exactement comme Rémi. C'est exactement la même politique que j'ai aussi, voilà. À l'époque, c'était comme ça, 19, 27. Moi, quand j'ai commencé, c'était pareil. C'était fait pour dégager. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus même le 450. Moi je sais que je vais sur le 455. Ça paraît con, moi quand j'ai commencé, où je pense qu'on est à peu près la même génération, 455 ou 555, 455 en français, hein, et 555 en anglais. Maintenant tout le monde se retrouve sur le 555 et 455 et plus personne. D'ailleurs moi j'ai Daniel, Santor, qui était 455, on a fait un QSY au-dessus, je sais pas, je crois que c'est au-dessus, 50 au-dessus. Bon, voilà, mais bon, à l'époque c'était comme ça, ouais, bon après ça fait venir du monde. Moi je vois comme ça fait venir du monde, sinon après il n'y a plus personne, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Sinon après c'est bon, c'est déjà assez restreint au niveau local, les QSO qu'il y a, bon, on les connaît. Et après, s'il n'y a plus personne, bon, il n'y aura plus personne, un jour ou l'autre, ça sera fini. Hein. C'est pour nous foutre de la musique, ou foutre des porteuses, on les connaît, on est né avec, malheureusement. Et, les gens qui font ça, c'est pas vraiment... C'est pas que c'est pas intelligent, c'est que c'est pas en faisant ça que ça va venir du monde, au contraire, ça va carrément les dégoûter. Moi, c'est mon point de vue. Bon, après, chacun voit à midi à sa porte, tu vois ce que je veux dire. Voilà, retour. Oui, bien tout à fait, ouais, non mais j'ai bien compris ce que tu as dit. De toute façon, je demande pas aux gens de penser comme moi, hein, ça, loin de là. Là, ceux qui pensent ça, ils se foutent le doigt dans l'œil. Mais c'est aussi ma façon de voir. Puis pour les QSO locaux, c'est vrai que pourquoi aller sur les fréquences plus dédiées au DX, alors que pour du local, on peut se mettre sur les 40 canaux, qui sont plus adaptés pour ça, on va dire. C'est voilà quoi, c'est et puis en plus de ça, les gens qui viennent ou qui reviennent en fréquence, ils vont pas s'acheter d'emblée un décamétrique, hein, loin de là, hein. Ils commencent par du petit matériel, ils voient ce que ça donne. Alors si bien sûr toutes les stations ont pris la fuite sur les canaux supérieurs en BLU, eux arrivant sur les 40 canaux, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Que ben il y a que à certaines heures, à certains moments, ouais, des routiers, tout ceci, cela sur leur canal habituel, et puis pas plus quoi. Alors que si, il y a du monde. Il faut simplement du matériel conséquent pour arriver à les débusquer, enfin débusquer à chi trois coups, aller à trouver leur QSO un peu éparpillé, mais surtout sur les supérieurs. Je t'ai écouté, il y a Angèle que je crois que tu entends pas, qui s'est signalé. Angèle, retour au micro, opérateur Stéphane et opérateur Rémi. Retour Angèle. Ok, je m'appelle Rémi, 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 je m'appelle Rémi
arrive 56-59. Pourtant, le SQS que j'ai sur l'ICOM est assez fignon. Je sais pas. Rémi, est-ce que t'entends Angèle? Oui, enregistré le break. Oh, ça doit être Doudou qui est de retour. Oui, Angèle, les 213-51, toi, c'est bien dommage que tu m'entends pas. Bah oui, tu as des QRM de ton côté. Alors, de mon côté, c'est une radio de 3-4, hein, ça passe bien quand même. Et Santiago Zéro. Et il y a eu un break. Retour à toi, Stéphane. Ouais, ok. Ok, merci du retour au micro. Oui, Angèle, opérateur Stéphane du micro, opérateur Angèle, du côté du bas. Ok, puis en plus j'ai de la chance, ce soir j'ai aucun QRM, j'ai rien, c'est propre, c'est vraiment nickel, c'est vrai que j'ai le filtre d'enclenché, le BHI là à côté, et je peux même l'éteindre parce que là ce soir il me sert strictement à rien. Ouais. Ouais, moi de mon côté j'ai pas de problème au niveau QRM, c'est clair ce soir. Là il est mis. J'ai pas de QRM, j'ai pas de TOS en plus, là, il est enlevé. Parce que la Scooby-Doo, on voit pas la différence. Ouais, c'est bon ça. La bonne façon, c'est bon. Ouais, je rends un micro sur Doudou. Doudou, micro de retour, le temps que je me fasse chauffer un café. Doudou, je suis très content de t'entendre. Retour. Ok, merci de retour, Stéphane. Là, voilà, je suis sur l'autoroute, en direction de la rocade. Tiens, justement, j'ai fait un petit test avec mon filtre haut-parleur là d'enclenché. Je l'enlève. Il n'y a aucune différence entre les deux. Hein. Mi ou pas mi, c'est du pareil au même, tellement que ce soir la fréquence est propre. Tiens, c'est rare hein, que ce soit aussi propre. Hein. Des fois, je vais avoir des coups de 5 points de QRM, de trucs comme ça. Et là, rien, zéro, nada. Tiens, là, c'est bon ça. Sur ton forum, la planète Sylvie francophone, je peux dire de conneries, je me rappelle plus quelque chose. J'ai été voir tout à l'heure les vidéos là, et j'ai vu chez toi quand tu t'es filmé sur le 455 de chez Yazu, j'ai vu quand tu tournais la galette, j'ai un petit peu comparé par rapport à Chia, par rapport à moi, quoi, par rapport à chez moi sur l'icône, ce que tu entendais comme tout le monde, et pour voir la différence, pas au niveau du Santiago, au niveau des QRM. C'est qu'on veut le dire, hein. Je sais ce que c'est, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'habitais sur d'autres QTH. Vous savez, moi je dis un couloir, c'est pas un couloir, mais tu vois ce que je veux dire. Ça dépend où tu te situes, des fois, ils se
crois habiter dans un endroit bien dégagé et tout ça, puis peut-être tu fais de la merde, quoi. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, j'ai une aiguille haute tension, très très haute tension d'ailleurs. Le jour où j'ai remis une antenne, je me suis dit, putain, je suis sûr que c'est de la merde. Et puis en fin de compte, ça passe bien. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Prends le micro sur Angèle, Angèle, micro de retour. Ok, par contre, je suis désolé, mais j'étais. Ouais, il y a pas d'abonnés qui est arrivé. Et j'ai pas eu le temps de l'écouter. Donc voilà, mais 73 de ma part, et alors 88 de madame, madame, c'est à côté de moi. Affirmatif, oui, oui, là je suis en train de faire la une vidéo, il n'y a pas de problème. Là tu pourras, ouais Stéphane, justement, là tu verras, là, sur la vidéo de ce soir, c'est impressionnant le peu de QRM que j'ai par rapport à certaines fois. Hein. Ok, il va falloir que je branche une méchante chambre d'écho là-dessus pour que tu puisses m'entendre correctement. Hachis trois coups. Ah, ça peut améliorer, ça peut donner un peu plus de signal. Ouais, pourquoi pas, ici, avec un petit peu d'écho. Il y en a qui vont s'éricher les cheveux sur la tête. Surtout que mettre une chambre d'écho sur un décamétrique, en principe, c'est pas trop l'endroit où on met ça, quoi. Ça dépend comment elle est, si elle est trop forte, c'est dégueulasse. Déjà ta BLU, on est obligé de passer. Si le mec est bien calé, ça va. Et si le mec est mal calé, tu m'as compris, c'est un peu chaud. Mais après, ça peut être pas mal. Mais j'arrive pas à comprendre. Tu me diras, Rémi, par rapport à toi, je sais pas avec quoi tu trafiques, si c'est une Mantova ou. Je sais plus quelle antenne tu avais, c'est une Mantova, une Mantron, je sais pas quoi. Elle est à combien par rapport au sol, ta Mantova, Rémi, retour, ou ton antenne? Ouais, enregistré derrière. C'est oui, la Mantova 8. Elle est pas très haute, hein. Elle est qu'à 9 mètres de haut, c'est tout. Hein. Ça va très bien, pas un peu mal, hein. Oh, c'est espagnol, ça. Il y a l'Espagne d'ailleurs. Oui, c'est ce que je viens de voir. Non, c'est Doudou, hein. C'est le Mantova 8 hein, que j'ai, ben, comme la tienne, hein, pareil. Et si on passait, parce que là je regarde, là j'étais en train de regarder, là c'est parti pour une montée, hein. Là visiblement, si on passait sur le attends que je regarde, le canal 26, 26-265, qu'est-ce que tu en penses Stéphane? Le 26-265, le canal 26, toi qui es bien, qui est au centre de tout le monde, qu'est-ce que tu en penses? Combien 27-265, le 265, qu'est-ce que tu en penses? J'ai noté, parce que quand tu m'as dit 26, c'est vraiment bizarre. Ok, les stations qui sont en QSO, là, par rapport à ce qui se passe, QSY 27-265, c'est juste un canal en dessous, hein. 27-265, ok.
Ouais, pour ma part, je suis là. Ouais, Doudou, t'es là, Angèle? Y27-265, ok? Ok, c'est parti. Ouais, ça devrait arriver, voilà, c'est bon. 1, 2, 3, oh là, ouais, c'est bon. Ouais, je regardais au-dessus, je voyais que le canal 28, tout ça, il y avait du monde. Alors je me suis dit, bon, ben ok, en allant au-dessous, ça devrait aller mieux, puis effectivement. Ouais, il va arriver, je pense qu'il va arriver. Ouais, j'ai vu la petite vidéo tout à l'heure, j'ai regardé tout ce que j'avais regardé sur Facebook, parce que je suis en train de rechercher un rotor, et j'ai vu la vidéo, j'étais sur ton forum. J'ai vu la vidéo de ton 450 que je connais bien sûr. Et j'ai vu qu'il était, affiché en vert. Il est affiché en vert ton 450, ça va bon et bizarre. Je sais pas si c'est la vidéo qui fait ça ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, je parle à Rémi. Ah le mien aussi, c'est parce qu'il a changé la couleur. Ah d'accord, on fait changer la couleur. Ah tu peux changer la couleur, mettre deux écrans ou deux couleurs séparées. Tu peux faire plein de choses au niveau des couleurs. Merci de l'info, je connaissais pas. Voilà, retour, Rémi. Ouais, donc, tu parles de Facebook, donc tu parles du groupe Facebook, pas du forum, Hachi. Oui, sur le FT450AT, tu as, quand tu vas dans les menus usines, tu as trois paramètres pour changer la couleur. Autant dire que tu fais ce que tu veux avec au niveau couleur. Là, tu vas du bleu, violet, en passant par le rose, le rouge, le blanc. Tu fais les mélanges que tu veux. Ok. Non, je connaissais pas. J'ai jamais trafiqué avec un 450. Moi, j'ai toujours trafiqué à l'époque en Kenwood. Hein. J'avais un 850 SAT et un 480. Le dernier IASU que j'ai eu, c'était un 890. Non, j'ai pas connu. Bon, c'est sympa. J'ai trouvé sympa. Voilà, la couleur, ça m'a plu en tout cas. Voilà. Voilà, je sais pas si Angèle a suivi. Angèle, t'es là? Non, c'est pas. Ah, pardon, c'est Isabelle. Ok, Isabelle, autant pour moi. 88, Isabelle. Là, on commence à sentir la différence. Là, il n'y est pas. Là, il est mis. Eh, hey, Santiago 4 ici, moi. Ah, putain. Ah ouais, parce que même avec 2 watts, c'est bon, ça passe fort. Eh, hey, je l'entends encore. Ouais, t'es en train de monter. Ah putain.
C'est à 90, c'est à pas plus de 90, j'espère. Oh là, putain, il va neiger alors. Il va neiger, hein, parce que les Portugais et les Espagnols, putain, quand t'es en bagnole, à 90, ils te poussent les 40 tonnes. Ok, ouais, non, mais je l'entends encore, hein, Angèle, hein, y a pas de problème. Même s'il a baissé la puissance, il arrive encore, j'arrive encore à le sortir, je veux dire. Et j'ai entendu, là, il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir s'amuser un petit peu, là, dans le très très lointain, avec un manipulateur de morse, un truc comme ça. Je chie trois coups. Mais bon, ça va, il nous dérange pas, quoi. Bah, tu veux faire un QSIS, tu oublies, on change de fréquence, hein. Je sais pas, à moins que quelqu'un s'est signalé, je sais pas, moi j'ai entendu personne de mon côté. Hein. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'avais un truc à dire à Loulou. Loulou, j'ai contacté cette semaine, tu vois, c'est un homme qui m'a contacté, 14 Papa Alpha Tango, 14 Papa Alpha Tango, 356 opérateurs, c'est vrai qu'il paraît qu'il te connaît, il t'a déjà contacté. Il est du côté du Barp, dans notre région. Ouais, faudrait qu'on se rencontre. Qu'on fasse une rencontre tous les trois, là, toi, moi et lui, ça pourrait être sympa, je sais pas, à l'occasion. Je sais pas, à l'occasion, je veux dire, à l'occasion pour en parler, on sait jamais, hein. Ça pourrait être sympathique de se rencontrer, quoi, voilà. C'est histoire de faire quelque chose, on sait jamais. Ça pourrait faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, on pourrait peut-être activer un truc dans le coin, je sais pas, hein, moi je verrai avec José, ou toi ou moi on verra avec José, hein. Y'a pas de quoi d'ailleurs, tous les trois on peut voir avec José, si on peut activer, faire une QSL spéciale pour activer sur la région Aquitaine, ça fait bouger les choses, tu vois ce que je veux dire, hein, ça fait. Ouais, ça fait monter le public, comme on dit, hein. Non mais c'est bon, il y a eu un ouais, c'était un petit plaisantin, mais il m'arrivait même pas à Santiago de 1, alors tu vois comme quoi il me gênait vraiment pas. Tiens, tu m'as fait penser à un truc justement, là on m'a demandé de poser la question. Si l'année prochaine il y a des Québécois qui viennent là, sur la région, est-ce que les stations seraient prêtes à faire quelque chose, un rendez-vous, quelque chose de sympa, avec peut-être si elle a propagé tout, une activation, quelque chose avec, hein, ou un restaurant, enfin bon bref, ou le tout en même temps. J'imagine, t'as des relations par rapport à Internet, des OM qui font de la radio comme nous, qui sont intéressés sur venir sur le QTH français, de rencontrer les Français, c'est ce que je comprends, non, c'est ça? Ouais, affirmatif. Ouais. Il y a quelque chose de prévu effectivement pour 2020. Alors là, ça serait pour le mois d'août de 2020. À voir. Au départ, c'était plus ou moins parti pour cet été, mais bon, du coup, ils ont choisi d'aller plutôt sur une autre région là de leur côté, là-bas sur le Québec. Donc là, c'est oui de 2020, été 2020, août 2020 dans cette fourchette là. Il se pourrait qu'on ait des Québécois qui viennent sur la région. Ah ben c'est sympathique, moi. Mais c'est les gens qui font de la radio, j'imagine, non, je me trompe pas, ils font de la radio comme nous. Tu m'étonnes, Hachi, c'est sûr, oui. Ah, c'est
ça peut être sympa. Putain, ça, moi j'adore. Déjà la radio, moi je sais que personnellement quand je suis en France, j'adore ça. Ils ont un accent, c'est mort, tu mords de rire. Je sais pas que tu mords de rire, c'est que c'est excellent à écouter, quoi, franchement. Allez, je renvoie le micro à Dodo, à Isabelle et à Angèle, et puis après moi je vais partir boire un café et aller me coucher un petit peu. Voilà, Isabelle ou Angèle, micro d'entour. Ok, pas de problème, pas de problème, je vais faire avec vous. Ok, Angèle, 73, 88 à madame, et puis bonne soirée, et puis au plaisir de te rendre, ok? Ah, 73, Angèle, 88 déjà, Isabelle, voilà, et à bientôt sur la friture. Ouais, 73, 88, 212. J'ai fait QSP, Rémi, ça fait le 88 pour madame et le 73 pour toi, Rémi, Angèle, pardon. Angèle, t'as reçu ? Là, il est parti. Ah, quand il dit qu'il part, il part, lui, ah, chie. Ah, il fait pas tant, non ? Tu m'étonnes. Ouais, donc, ouais, j'en reviens à ça. Ah, ouais, effectivement, moi, de mon côté, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il y a... Justement, il m'a demandé de poser la question là, le, à l'OM là, du Québec, là, à ce niveau-là. Et ouais, ça serait sympa. Ça serait sympa. Ça nous laisse le temps, plus d'un an devant nous, là, quand même, de réfléchir à ça. En plus, c'est vrai que la PROPAC sera encore meilleure, là, en 2020. Puisque vu la courbe, c'est là que, ouais, que ça va vraiment, vraiment bien s'amorcer. Ouais. Là, en tout cas, j'ai un million d'idées là qui se bousculent en tête là-dessus. Hachi. Non mais t'as bien fait d'en parler. Déjà des fois les idées comme ça peut être assez intéressant. Bah, c'est sûr que rencontrer des gens comme nous qui ont la même passion que nous, se voir avec un barbecue. Si c'est beau, voilà, tu me diras si c'est pas beau, c'est pas grave, on peut se rencontrer quand même. On peut toujours organiser un truc, je sais pas, c'est à toi de voir, t'en parles et on a largement le temps de s'en occuper. Ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa parce que c'est pas tous les gens qui viennent chez nous, donc autant bien les recevoir correctement et cordialement, comme on dit, et ça peut être sympathique. Voilà, le tour, micro de retour, le temps que j'apprends mon café, ok? Ok, merci à Stéphane du retour. Ah ouais, pourquoi pas s'organiser un truc là, autour d'un barbecue, hein? De prendre une clé de TV avec des antennes, là, et puis pourquoi pas faire une activation en même temps, ça peut être intéressant. En plus, tout le monde peut venir, nos familles, nos enfants, on essaye de trouver un endroit dégagé pour que les enfants puissent jouer un peu plus loin, tu vois. Et puis, bah, comme ça, les femmes discutent entre nous, entre eux, et puis nous, on peut faire la radio tranquillement, là, autour de la radio. Ouais, ça peut être gérable, là. Franchement, pourquoi pas s'organiser ça, là. Pour voir ça, là, Rémi, pourquoi pas, il faut en discuter, là. Mais ça peut être intéressant, autour, Rémi. Ok, oui, tout à fait, hein. De toute façon, moi je suis 100% d'accord avec ça, je suis 100% partant aussi, et bon, de toute façon, là on a le temps, hein. Bon là il m'a demandé de poser la question, là, de tendre la perche, là, pour voir un petit peu, là, ce qu'il en ressort, hachi, et au contraire, hein, c'est, oui, mais bon, là, d'ici août de 2020, ça nous laisse le temps d'en passer des idées, quoi, hachi. Ok. Oui, on n'est plus que tous les trois. Stéphane, tu as dit que là, tu n'allais pas tarder à QRT, c'est ça? Ouais, affirmatif. Je ne sais pas qui est arrivé, j'ai pas mon téléphone à côté, puis j'ai pas l'heure ici au chat radio, j'ai pas l'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas l'heure. L'ordinateur est à côté, enfin, je reprends l'ordinateur ici. Très bien. Donc, il est 21h30 ou un truc comme ça. Ouais, un peu plus. On prend un café. Puis après on va aller se coucher un petit peu, dormir 2-3 heures et partir au boulot, tranquille. Non mais franchement, activement, ça m'intéresse parce que c'est sympathique. Moi j'en ai fait plusieurs, j'ai fait l'activation des X pour deux clubs que j'ai représentés ou qu'on était adhérents. J'étais adhérent, hein. C'est sympa, tu rencontres des gens, c'est un barbecue ou même un bon gastro sans plus, une bonne grillade ou même sans grillade.
rencontre des gens et puis au moins les recevoir. Quoi. Il y a qu'ils font des placements qu'il y a chez nous, pour au moins les recevoir correctement. Tu vois ce que je veux dire, Rémi, retour. Oui, merci pour le retour. En tout cas, ce qui est prévu pour eux, c'est qu'ils viennent, c'est qu'ils viendront là, 2 semaines sur la France. Donc, c'est pendant ces 2 semaines là, qu'ils feront un passage là, de notre côté. Et oui, et tu ne seras pas déçu. Vu qui c'est, tu ne seras pas déçu. Peut-être que je connais, c'est possible. Il y en a quelques-uns quand même sur ce QTH qui sont connus en radio. Bon, c'est vrai que j'ai QRT pendant 5 ans, j'ai pas le temps de le dire. Mais bon, à l'époque, j'en ai quand même fait pendant pas mal d'années. Donc peut-être que je connais, c'est peut-être... Ah, je sais pas, on verra bien. Je t'en dirai plus en privé. D'accord. Ok, à l'occasion. Allez, je vous laisse, moi, 73, Rémi, très, très content d'avoir discuté avec toi, amitié à Doudou aussi, la prudence sur la route, et puis on aura l'occasion de rediscuter tout ça. Allez, je vous laisse, moi, je finis mon café, et puis après, je pars sur la pointe des pieds, me reposer un petit peu. 73, Rémi, au plaisir, ciao, ciao, salut, Doudou, bye bye. Doudou, retour. Ok, merci, mon système, bah, bon 144, bonne petite sieste, là. Bon courage pour le pro tout à l'heure, comme j'ai entendu que tu partais, tu commençais vers 2h du matin, et je crois, un truc comme ça, 1h30, là. Bah, bon courage, mon système, merci du QSO, toujours un plaisir de t'entendre sur les radios, là. Et puis voilà, allez, à toi, Rémi, pour le final. Ok Stéphane, les motions 1351, merci d'être venu sur le QSO, ça a été vraiment sympa. Voilà, ça a permis justement de lancer quelques petits de mettre en avant quelques petits projets. Ça va gamberger. Mais t'inquiète pas Stéphane, je t'en parlerai en privé, il n'y a pas de problème. Disons que je dis ça comme ça, c'est pas pour pas qu'il y ait d'autres stations qui entendent de qui il s'agit. C'est parce que pour l'instant, c'est simplement c'est mis sur le brouillon, quoi. Si ça se trouve, ben peut-être que d'ici août 2020, il y aura autre chose qui fera que ben ça tombera à l'eau ou un truc comme ça. Donc trop en dire de suite, ça serait complètement inutile, si ce n'est que ouais, ça serait inutile de trop en dire, puisque ils n'ont pas les billets, on va dire, d'avion en main. Ils n'ont pas toutes les réservations qu'il faut. Quoique pour la Gironde, le problème de réservation, de toute façon, il est réglé. Hachi. Le jour où, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein, ça sera balancé. Hein. Ok Stéphane qui reprend. Oui non mais t'as très bien fait. C'est pas la peine d'avancer trop les choses. C'est pas. Faut pas non plus s'emballer. C'est pas une question de s'emballer, c'est une question de pas faire trop de projets à l'avance. L'idée est très 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 bonne. De rencontrer des gens comme ça, c'est pas tous les jours qu'on les voit. On les entend à la radio, donc les recevoir correctement, simplement. Leur faire voir qu'on est assez ouvert, dirons-nous, au niveau de la radio, au niveau de l'entente entre nous. Et puis voilà, faut pas non plus s'emballer et s'exciter sur des trucs et puis faire n'importe quoi. Voilà, voilà, tu m'as compris. On pense qu'on a un petit peu la même idée. Juste une idée, voilà. On aura l'occasion d'en reparler, voilà. Allez, salut, 73, bonne soirée et puis on aura l'occasion d'en reparler tout ça. Ciao, ciao, bonne nuit. Ok Stéphane, bonne nuit, retour Doudou. Ok, merci à mon petit Rémi là. Bon bah il y a 2 jours je t'entendais plein pot, j'ai cru que t'étais dans le camion, j'ai tourné la tête là. Et là ça a redescendu d'un coup là. J'ai passé le pont de la Dordogne là, en direction de la Nationale 10, la direction Angoulême après pour moi là. Retour mon petit Rémi, et bonne nuit Stéphane. Quel réchaud hein, qu'il fait hein. C'est déjà ça, quoi. C'est déjà beaucoup. Et puis en plus, suivant la bestiole que c'est soit 100, soit 200, carrément. Allez, je vous laisse, moi, je coupe l'alimentation. Ciao, ciao, bonne nuit. Eh zut, toi, on a réussi à garder 30 secondes de plus, c'est déjà ça de gagné. Ah chi. Ok, ah ben oui, là, Doudou, tu t'en vas vers le nord, alors. Direction Poitiers là, et puis à l'aller-retour Poitiers-Bordeaux, voilà. Ok, d'après ce que j'ai vu, ça serait du 55 là de mon côté, hein. Tu vois là, ça passe bien. Hein. Ouais, bah toi c'est signal négatif, petit radio 3 là, donc bah ça passe quand même, hein, y a pas de soucis. Je suis en direction de la Nationale 10 là,
J'ai passé. Voilà, je suis en direction de la nationale 10, là, celle qui fait Barbezieux et tout ça, là, ça. Moulouy et tout ça, là. Ok, Santiago 3, là, sur le dernier passage, là, ça naviguait entre 2 et 3, comme quoi, là, ça... Ah, bah, c'est bon, ça passe bien. Qui a dit que les routiers, ça passait mal? Ah, chez 3 coups. Ah, bah, ouais, les routiers sont là, la place, direction de Libourne, Saint-André, Cuzac et tout ça, là. Mais ça passe bien, l'intermontée en signal, là, mon petit ami. Ah, ça fait déjà agréable de pouvoir faire un QSO un peu plus longtemps, c'est d'habitude, là. Et puis, on a la chance que t'es pas au pro, et voilà. Ok, ben justement, tiens, là, je parle des routiers. Justement, là, je regardais un petit peu là sur Internet, sur les forums, enfin sur les groupes Facebook, sur les forums. Là, petit à petit, là, il y en a de plus en plus là, qui reviennent à la CBI. Hein. Et il n'y a pas que, il y a aussi, bon, du côté des camping-cars, c'est un peu timide, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressés. Dans un tout autre domaine, tu as aussi du côté là, des groupes survivalistes, là, qui sont aussi intéressés par la CBI, mais plus dans leur domaine, on va dire. Donc, mais bon, ça, si tout ce monde-là vient en fréquence, enfin bon, c'est bien parti pour, en tout cas, là, ça va mettre un peu plus d'activité sur le 27 mégas. Quoi. Ah ouais, bah, j'ai vu ça, là, il y a pas mal de CBI qui sont mis en vente, pas mal qui se rééquipent en camion, en voiture, en camping-car, sur les bateaux et tout ça. Non, mais c'est bien, on sent que la CBI n'est pas abandonnée, on sent que ça repart. Ça repart tout doucement, mais ça repart, hein, c'est le principal. Après, c'est sûr, hein, s'il y a personne qui parle, tout le monde va croire qu'il n'y a personne. Mais oui, c'est normal, hein. Déjà, ils attendent la propagation pour parler au micro. J'attends pas la propagation, si j'ai envie de parler, je pars. Hein. Et puis, des fois, on fait des QSO comme ça, on se demande d'où ça sort. Et puis, bah, on arrive à faire le contact, hein, c'est clair. Des 1000 pattes que j'ai jamais eues, j'ai réussi à en faire. Après, il y en a beaucoup en AM-FM, là. Mais bon, après, ça, je vois l'AM-FM. Hein. Moi, je fais pas trop d'AM-FM. Mais bon, je suis plus BLU. Mais de temps en temps, petit tour en AM pour les copains, hein. Bah, ça fait du bien. Retour, mon ami. Mais bien sûr, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Si tu m'entends pas en BLU, c'est que je suis en AM, hein. Parce que bon, c'est vrai que moi je pars du principe que pour faire du local, ça sert à... pour faire du local, et si la propague n'est pas là à ce moment-là, je ne vois aucun intérêt de rester sur les sup. Donc forcément, je suis du côté des 40 canaux AM, et oui, à chaque fois, je fais des QSO, il n'y a pas de problème, hein. Puisque, ben tiens, pas plus tard que qu'avant-hier, j'ai eu Christophe, je ne saurais plus te dire sans QRZ, ben, de toute façon j'en ai fait une petite vidéo aussi, là, que j'ai mis là, aussi bien sur Facebook comme sur les forums. Et oui, non, mais c'est à chaque voyage de toute façon du côté des 40 canaux là, que je fais des QSO. Hein. Ah non, mais tout à fait, hein, je regarde tes vidéos de temps en temps. Hein. Et je vois marqué AM sur le canal, je sais plus quel canal, là. Bah, il y a toujours du monde, hein, de toute façon, on a une CB avec des boutons, des fréquences, des machins, ça sert à rien de rester toujours sur les mêmes fréquences, faut changer, quoi. Faut aller à droite, faut aller à gauche, des fois, je suis même en irascible avant, alors que d'habitude, on n'y va jamais. J'entends du monde, hein, faire des QSO avec du monde, donc non, mais il faut changer les fréquences, hein. On a un pote qui fait AM, FM, USB, LSB, bah, il faut en profiter, quoi. Exactement, je suis 100% d'accord avec toi. On a tous ces modes, autant en profiter, hein, c'est sûr. Hein. Tu vois, comme par exemple, sur les canaux 30 et quelques par là, bah, tu vas trouver les Portugais, là par exemple. Justement, je pense au PAT, justement, là, en disant ça. Tu as eux, là, qui sont de ce côté-là. Au niveau plus au niveau local, oui, t'en as un peu partout, le 15, le 16, le 17, le 25, le 22, enfin il y aurait plein de canaux, le canal 5 aussi, un peu du côté de plus du côté de Bordeaux, le canal 5. Et là c'est plus des jeunes là, que tu trouves là-dessus. Oui, non mais c'est sûr, hein. Il y a du monde un peu partout sur les 40 canaux, hein, contrairement à ce que certains pensent. Maintenant, je veux bien, je suis d'accord qu'il y ait des régions qui sont plus avantagées que d'autres. Ça, c'est certain. Il n'y a pas photo là-dessus.
Mais comme tu dis tout à l'heure, si les gens prennent pas le micro, eh bien ça fait de suite beaucoup moins de bavards en fréquence. Moi, c'est tous les jours que je fais un peu à droite, à gauche. Bah, je fouille, on cherche, on essaye de trouver quelqu'un qui parle, là. Et puis bon, bah, si on arrive à comprendre, bah, tant mieux, sinon bah, on change de fréquence, et puis voilà. Hein. Non, mais bon, je suis d'accord, quoi. Les fréquences, on m'a donné un poste avec toutes les fréquences, bah, j'essaye toutes les fréquences, voilà. On peut pas aller plus loin, on peut pas. Voilà, c'est comme ça. La CB, si tu cherches pas, bah, tu trouves personne. Forcément, c'est compliqué. Hein. Mais bien sûr, parce que c'est ça le et en allant même au-delà de la CB, je parle pas au niveau fréquence, je parle dans l'état d'esprit. Et là je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Oui, voilà, le plaisir de la radio, voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand tu vas carrément dans le domaine, dans le vrai plaisir de la radio, ben c'est comme celui qui va à la chasse ou à la pêche. Il va chercher à droite, à gauche, les contacts, voilà, c'est ça. Hein. C'est pas pour rien que sur la CB, on dit aller à la pêche contact. C'est exactement ça aussi, hein, t'as bien raison. Hein. C'est clair. Bah, ça commence à être un petit peu compliqué là. Je suis sur la nationale là, en direction de. Bah, j'ai passé Guriagui, Marsat et tout ça là. Donc c'est un petit peu compliqué de mon côté là. Mais ça passe quand même encore, hein, Rémi. Il n'y a pas de problème. Hein. Retour. Ok, bah si je suis Santiago 3 de mon côté, bah ça devient un peu compliqué, bah pas de problème, on va arrêter là. Et de toute façon, tu pourras retrouver là toutes les infos là dans la vidéo. C'est pas dit qu'elle soit prête ce soir, j'y crois même pas. Plus demain, ouais, elle sera plus davantage prête pour demain la vidéo. En plus, là, je vois l'heure, j'ai mis le réveil à 6h pour demain matin. Je vais certainement pas passer la nuit dessus à travailler la vidéo. Ok, on va arrêter là avant de se perdre complètement. Je vais t'envoyer les bonnes sur 1351. Et puis, profite bien de la propague en même temps qu'il y a. Allez, merci pour le QSO, à la prochaine. Merci, bye bye. Allez, mon petit ami, y a pas de souci. J'ai fait le début du QSO, maintenant je fais la fin du QSO. Vas-y, c'est magique, c'est magnifique. Dimanche matin, je sais pas encore. Demain soir, c'est pas possible. Je débauche, je serai là quelque part au nord de Bordeaux. Donc je débauche à 20h. Le temps de faire la route et tout, au moment du QSO, de toute façon, moi j'aurai les pieds sous la table. Alors, ah, mais c'est pas grave. Dimanche matin, je sais pas encore. Ça dépendra du sens du vent. Hachi trois coups. Ok, merci pour le QSO. Bye bye. Ça marche, pas de soucis, bon courage, bye bye. 73 à tout le monde, le métier au QRA. C'était 14, Papa Alpha Tango, 357, 1000 passes, l'opérateur Boudou. Allez, bye bye à tout le monde, en tout le MSDR, les WL qui sont derrière. À tout le monde, quoi, ciao, bye bye. C'est dans la boîte, il n'y a pas de problème. Les 73 au tourné de Dundee 33, 14 km, 3301, opérateur Rémi sur Sainte-Colombe. Voilà, merci, bye bye. Il y a encore de la propague. Ah oui. Allez, je vais l'entendre. Tu vois que c'est toi, Alain. Vu le bruit, il y a quand même de la propague, mais c'est pas très actif. C'est ce que j'aurais envie de dire.
Ich war noch in meinem Job, ja.